Alors, qu'est-ce que je vous sers? Allez, 30 minutes. Allez, les Dalmatiens. Allez, c'est parti. Attendez, je mets en 720p, là, pour un maximum. Quoi, mes gens mignons, hein? Qui a cru que Pasty, c'est celle avec les taches, les miettes, ça c'est le brun, ferait un jour des petits ensemble. Tout petit, on ne peut pas dire qu'ils s'aimaient beaucoup. À l'époque, les petits frères de Pasty, Toby et Timmy, habitaient encore ici. Tu vas parler comme ça pendant 30 minutes, mec? Ah putain, c'est reparti. Peux jouer avec vous? Non, pas maintenant, on joue à chat perché. C'est pas pour toi. Tu pourras quand même pas nous attraper. Mais je veux jouer. Je peux? Bon, d'accord. Ça m'est égal, ça c'est ton problème. Escargot va... Ok, alors déjà, ce n'est pas un dalmatien. Hein. Oh, vous devez m'attraper. J'ai 10 secondes d'avance. Vous devez tous compter jusqu'à 5. Mais t'avais dit que... Oui. Vas-y, Pasty, je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ils sont pas 101, normalement. Parce que là, j'en vois 3, moi. Il y a... Ah. Ouais, ils auraient pu m'attendre quand même. C'est même pas drôle comme ça. Petite phase d'action, là. Niette me faisait presque pitié. Pour une fois qu'il pouvait jouer avec les autres, le revoilà tout seul. Mais étant de nature plutôt curieuse, je ne m'en inquiétais plus. Qu'est-ce que c'est que cette musique qu'on entend en fond? Il y a des enfants qui pleurent, des gens qui rigolent, des trompettes. De petits dalmatiens ne sont-ils pas adorables? Eh, attendez, il a presque une bonne voix, lui. Il a presque une voix qui est hoquetière, en vrai. La question, on les emmène. Tous les deux, à quoi peuvent-ils nous servir? Coller des étiquettes sur les boîtes pour chiens, je suis sûr qu'ils lèchent très bien. Montrez pour voir. Parfait, excellent. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon cerveau, il a déconnecté une seconde, j'ai compris, je sais pas comment. Il n'y avait personne pour les aider. Sauf moi, mais par principe, je ne me mêle pas de ce genre d'affaires. J'étais curieux de voir ce que ferait Pasty quand elle constaterait la disparition de ses deux frères. Ce que j'adore le plus dans les Dingo Pictures, c'est ces longs moments de silence où soudainement il ne se passe plus rien pour aucune raison particulière et c'est juste un peu gênant, c'est les moments un ange qui passe quoi. Je m'en suis bien débarrassée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils ont peut-être quand même laissé jouer Miette avec eux. 11, 12, 13, 14. Mais qu'est-ce qu'il y a, un syndrome d'Asperger ou... Enfin... Pourquoi tu comptes comme... Il devrait quand même m'arriver maintenant, bizarre. 11, 12, 13... Non, ça tu l'as déjà dit, ça. Et oui, on l'a un talk, ouais. Où sont-ils passés? Ils sont partis trop vite, après toi. J'ai crié pourtant qu'ils devaient m'attendre, mais... Bon, ils l'ont pas fait. C'est vraiment pas juste, tout ça. Et où ils sont maintenant? J'en sais rien, moi. Ils sont disparus, partis. Ils peuvent pas avoir disparu comme ça, ils se sont sûrement cachés. J'en crois rien. Bien sûr, viens, je t'aide à chercher. Ah, la conviction est à zéro. Mais vraiment, on a vidé la conviction, on l'a jetée dans le lac, y a rien quoi. C'était miette tout craché. Pas du tout fâché contre Pasty. Il aurait tout aussi bien pu la laisser. Est-ce que c'est pas vraiment la pire voix que tu peux donner à un narrateur? Laissez-moi vous conter l'histoire de Pasty et de son ami. Alors, il se fout... J'étais toute seule, elle ne se gênait pas avec lui. Alors surtout, si vous trouvez ce sample de musique, je vous en supplie par pitié, envoyez-le-moi. Je ne sais rien du tout. Ils ne sont pas passés par ici. Où pourraient-ils bien être?
Non, Miette, laisse ça et viens avec moi maintenant. Ouais, mais je peux quand même faire un petit pipi, non? Ok. Ok, bro. Eh oh, tu veux bien arrêter, dis? Quoi? Il est venu pisser dans sa gamelle? Je suis le seul autorisé à faire ça ici, compris? C'est bon, mais je pouvais pas savoir. Et toi, qui tu es? Miette, tu vas quand même pas lui faire la causette. Alors, au passage, c'est lui. Évidemment les décors... Maître. Les décors complètement recyclés du passage dans Toys où ils sont dans la décharge, hein, c'est exactement les mêmes décors. Bon. Le passage où ils trouvent Maïté, qui fait « Oh, bon petit, je trouve les jouets !» Et toi, qui tu es? Miette, tu vas quand même pas lui faire la causette. Allez, viens. Aïe, 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 vous êtes tous copains? Aïe, aïe, aïe. On est le gang des chiens de rue, je suis le chef. Freddy, mon pote. Oh salut, putain, lui, c'est le cool kid. Le clochard. Je me présente, Fleur, le comptable. Moi, c'est Vera la Belle. Et moi, c'est Butcher. Ça veut dire boucher. Et super, vous auriez pas besoin d'un coup de main dans la bande? Pourquoi pas? Plus on est de fous, plus on s'amuse. Ils ont un comptable, hein. Ils ont un chien comptable. Repos, marche. Oh putain. Ah, c'est Disney, hein. Là, c'est... On est dans... Ils étaient sympas, hein. Là, c'est littéralement les animations de Disney. Hein. De vauriens, allez, viens. Mais je pouvais me joindre à eux. Oh, tu veux dire ça? Si tu m'aides à trouver Toby et Timmy, je te promets que tu pourras toujours jouer avec nous. Promis? Parole. Ah, et une fois de plus, elle lui impose sa volonté. Non, au début de sa phrase, il y a marqué En fait, de ce que je comprends, c'est le chien marron, c'est un peu c'est le mec de la street. Et la petite chienne, là, c'est la petite blanche effrayée qui a peur de tout le monde dans la rue, là. Miette prend les affaires en main et Pastis se cache derrière lui. Ça alors? Ouais. Tu sais, ils n'avaient pas l'air de vauriens vraiment. Tu veux dire qu'on devrait aller les retrouver alors? Oui, ils connaissent bien le coin. Ils voudront peut-être nous aider à retrouver Toby et Timmy. Je veux bien les payer, moi. Les payer? Pas besoin. Je suis sûr qu'ils nous aideront avec plaisir. Même sans les payer. Il va ressortir. De nouveau, 3 minutes de voyage. Et là, les chiens, ils arrivent à la décharge. Eh ben non, m'a fait mentir. Allô? Y'a quelqu'un? Mais si c'est pas notre Miette? T'as changé d'avis? Tu veux te joindre à nous? Si je peux encore? Bien sûr, on te fera une place. Et Pasty? Elle peut rester aussi? Moi, je sais pas si elle est à sa place ici. Je vous donnerai de l'argent si vous m'aidez à retrouver... Est-ce qu'on va voir Cruella à un moment donné ou est-ce qu'on va juste tous aller se faire foutre là? Je crois qu'on va tous aller se faire foutre. Hein. Je crois que le seul point commun avec les Dalmatiens, c'est qu'il y a un chien qui est un Dalmatien, en fait. Nous payer? Tu veux nous insulter, peut-être? Mais je voulais seulement... Elle a encore beaucoup à apprendre, ta copine. Elle est bonne à quelque chose, au moins? Faire des cumulets. Des cumulets? Des cumulets? Oh, regarde! Youhou! Youpi! Oh, bravo! Bravo! Ok, elle peut rester. Il me faut leur nom, date de naissance, etc. Hein? Fais-lui ce plaisir, autrement Monsieur Fleur sera très malheureux. Il imagine qu'il doit tout écrire. C'est une vraie manie. Si ça peut lui faire plaisir, allez, Pastille. Ouais, c'était réglé. Il était grand temps car j'étais à nouveau malade de curiosité. Il me fallait savoir à tout prix ce qui se passait du côté de Toby et Timmy. Ah putain, j'attendais le coin de fin. Lécher, coller. Attends, on a changé allez, de vidéo là. Continuez. Allez, allez. Ah d'accord, le Doberman, il les a emmenés bosser dans une usine. Oh ça va, il est plutôt cool, il leur a filé un taf là. Continuez. Lécher, coller, lécher. Hé, qu'est-ce que c'est? J'ai soif, moi. C'est alors... inattendu, c'est le mot. C'est inattendu. Voilà, je pensais pas qu'il les amènerait dans une usine de timbres pour leur faire lécher des timbres et les coller. Tu veux peut-être un regret, hein? Non, s'il vous plaît, ça va mieux maintenant.
Parfait. Laissez coller et laissez coller. Continuez, laissez. C'était un peu ainsi que je me l'étais imaginé. Non, bah, t'es le seul. Vraiment, putain. Moins grave. Quoi? Attends, il a dit seulement moins grave. Je l'étais imaginé. Seulement un peu moins grave. Bien, tes pastilles devront se dépêcher s'ils veulent secourir ces deux-là. Ça n'a aucun sens, j'adore. Ils n'avaient pas l'air de chercher et je ne pense pas qu'ils étaient vraiment pressés de s'y mettre. Il y a alors deux potes qui se sont fait kidnapper, le narrateur il fait bon, ils s'en foutent. Visiblement, ils s'en foutent un peu là. Allez, viens. Je pensais qu'on allait chercher Toby et Timmy. Oui. Tu as raison. Ils avaient déjà réfléchi comment. Ah, ok, ils avaient juste oublié. Et que c'était en mode. Ah putain, c'est vrai, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on cherchait. Vous pourriez trouver les frères de Pastille. Vous alliez nous aider, non? Oui, bien sûr. Je pensais que vous vous amusiez. Écoutez. À partir d'aujourd'hui, il y a Cubitus. Ok. Et moi, qu'est-ce que je fais? Toi, il faut toujours qu'on te surveille. Oh, c'est pas vrai. Salut, Pastille. Un peu de patience et on te ramène tes frères. Je l'espère. Trouveront jamais. Franchement, je pense que ça doit. Regardez ça avec un pétard dans la tête, ça doit être un truc de fou. Oh putain, musique d'angoisse. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle poursuit un ch... Mais les mecs, ils arrivent pas à se concentrer sur le scénar plus de une seconde, quoi. Ils étaient partis chercher les deux chiens, ils sont en train de poursuivre un chat, là. Miaou. Oh là là, déjà si tard. Ah oui. Le fameux minaret avec la cloche d'une église. Il est de chercher les deux petits. Faut le dire à personne. D'ailleurs, s'ils avaient été là dans cette rue, on les aurait vus, même sans chercher. Ok, t'avais rien à dire. Allez, allez, Pastille. Ça aurait vraiment été une chance de les trouver dès le premier jour. C'est bon, je vais donner... Vous avez même pas essayé, en vrai. En vrai, vous avez même pas essayé, vous avez poursuivi des chats, et vous vous êtes poursuivi entre vous. Vous savez que j'ai vu une théorie qui dit que plus vous regardez des choses cringe, plus vous êtes immunisé à la gênance en vrai. Donc finalement, prenez ça là, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de vivre là, comme un travail sur vous. Butcher a de bonnes intentions, mais il n'est pas le plus malin non plus. J'ai décidé donc de suivre Boss et Trump, et cela me semblait avoir plus de sens. Qu'est-ce qu'on s'emmerde, putain. Mais arrêtez de poursuivre des chats, c'est pas le scénario, putain. Ça me rend fou, c'est pas ça que vous êtes censé faire. Oh. J'en avais assez vu. Mais t'as rien. Les recherches n'apporteraient pas grand-chose aujourd'hui. J'ai décidé d'aller voir ce que fabriquait Butcher. C'est littéralement une semaine où il se passe rien. C'est les mecs, ils oublient ce qu'ils font. Let's go, les saucisses de chez Aldi, là. Tu veux bien laisser ce sac? Pourquoi tu caches cette saucisse dans un sac? Pourquoi tu la manges pas tout de suite? Elle n'est pas à moi. Allez, va-t'en. Et pourquoi tu te mets au soleil? Tu dois pas travailler? Dis-moi. Qu'est-ce que c'est toutes ces questions? Tu joues au flic? Et pourquoi tu conserves les saucisses? Tu fabriques pourtant des boîtes de conserve à l'usine. Cette saucisse, c'est pour polluer. Le chien, il arrête pas de se téléporter. Hein. Si vous remarquez, il a été au sol, sur le truc, puis redonne au sol. Ouais, Pollux, au boulot, il travaille jamais. Il laisse toujours les travaux durs aux autres. Hein. Exactement. Il fait faire le travail par mes ouvriers. Moi-même, je ne travaille pas. Est-ce qu'on peut revenir au scénario, là? Les autres. Pas mal. Bien sûr. Pollux surveille le... On dirait un échange entre deux joueurs dans un jeu de rôle, mais où les joueurs ne savent pas quoi dire. Comme les deux nouveaux dalmatiens. Il leur fait faire sentir. Et maintenant... Fous-moi la paix. Faire travailler les autres. C'est vraiment... On est dans... On dirait certaines scènes dans RPZ, ouais. Vous ne les avez pas trouvés? On a ratissé de rue, mais pas vu de petits dalmatiens. Pitié, faut avancer, là. Ça n'avance pas.
Le temps ralentit. Fais un peu attention, idiot. Ouais, on aura jamais rien ici. C'est bon, Butcher. Tu as trouvé quelque chose? T'apprends qu'il a la cataracte, qu'il y voit plus rien, t'sais. Il avait un sac avec de la saucisse dedans et il voulait l'emporter chez lui. Vous entendez? Comme je dis toujours, il faut pas tout manger tout de suite. Il faut mettre de côté... Le scénario, je vous en supplie, le scénario. Concentrez-vous. Focus. Ridicule. Un chien qui garde une saucisse pour plus tard, c'est impossible. On s'en fout. Eh ben, comme je disais, Castor avait une saucisse. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Demandé pour qui était la saucisse, il a répondu pour Pollux. Mais Pollux ne reçoit les saucisses que parce qu'il doit surveiller le personnel. Ils sont des ouvriers maintenant. Et depuis peu, deux dalmatiens. Quoi ? Mais c'est comme ça qu'ils font la liaison ? Le même... Cette liaison ! Où ils sont passés par Strasbourg, Berlin, Cologne, Moscou, mais pour faire juste par... Oh putain. Non mais attends, vous avez pas compris, c'est qu'en fait, ils sont arrivés en me disant « Oui, il a fait des saucisses, parce que les saucisses, elles gardent à l'extérieur, alors que le normand, il a un chien, la saucisse, il devrait la manger maintenant, et pourtant, le chien... » Parce qu'en fait, les saucisses, c'est pour les emplois, c'est pour les... Enfin, c'est vrai, la saucisse, c'est à l'extérieur, normalement, ça se met dans le froid, ils font mal au frigo, ils font mal à la bac à légumes, et à la fin, ils font juste « Oui, parce qu'en fait, c'est pour nourrir leurs ouvriers, c'est deux dalmatiens. » Et genre, commencer par là... Mais là, ils sont en impro, c'est pas possible. Deux dalmatiens. Deux petits dalmatiens ? Oui, tu sais, genre les seuls de la ville. Tu sais, ceux qu'on cherche, là, attends. Je les ai trouvés. J'ai trouvé Toby et Timmy. Je suis pas un idiot. Non, Butcher, tu n'es pas bête. Je suis en train de perdre des neurones, moi aussi. Hein. C'était à devenir fou. Ils oui. se mirent à parler si doucement que je n'entendais plus rien. À devenir fou. Que c'est à bon devenir fou. Faites ce que vous voulez après, mais sachez que si vous partez avec la faim, il risquera d'arriver quelque chose à vos familles. C'est un presse nigérien qui me l'a dit. Vous êtes obligé de rester jusqu'à la fin et de donner la vidéo à 10 personnes. Oui, je voulais savoir quel était le plan de miettes. Il essaye même plus. Le narrateur, il essaye même plus. Il est en mode quoi ? Il y a une vieille merde qui traîne. Il y a un vieux museau qui traîne sur le côté là, au-dessus de ma caméra. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, le chien il se téléporté. Tire-toi, c'est un terrain privé. Que dites-vous? C'est comme ça que vous traitez les clients? Nous venons de Perpignan pour acheter des conserves pour chiens et nous quoi voulons voir... Ok. Nous venons de Perpignan. C'est vraiment, je m'attendais pas à entendre ça là-dedans. Oh là là, regarde, t'as vu ça? Si j'étais plus grand. Tout est presque automatisé ici. Quelques ouvriers nous suffisent. Plus vite, on ne dort pas ici. Vous voulez que je vous roste, c'est ça? Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais vous n'avez pas peur qu'un jour, par exemple... Vous croyez que c'est une dénonciation du capitalisme, genre? Vous croyez qu'il y a un truc comme ça derrière? Mais non, pas du tout. Dans le sol devant vous, il y a des senseurs invisibles. Si quelqu'un passe dessus, un filet géant tombe du plafond. Oui, bien sûr. Non, 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 personne ne s'est jamais échappé d'ici ou joué. Ouais, c'est ça. Les fameux senseurs invisibles, ouais. Dites, vous auriez quand même pas pitié de ces deux-là, non? Non, pas du tout. Je me demandais seulement... Mais comment pouvez-vous... Il est en impro, ils savent plus quoi dire, ils ont plus de script. Je pense qu'ils ont perdu le script. Hein. Ils l'ont perdu depuis 10 minutes. Ils sont en train d'improviser ce qui se passe. Le système d'alarme. Vous ne voulez quand même pas être fait prisonnier quand vous passez là? Ça, c'est réglé à partir de l'armoire là-bas. Je n'ai qu'à taper le code secret, 6 chiffres, et l'alarme est arrêtée ou activée comme on veut. Combien de fois vous pouvez vous tromper? Pas une fois. À la première erreur, l'alarme se déclenche. C'est parfaitement réglé, ça. Mais parlons affaires. Faites-nous une offre pour, disons, 1000 boîtes par mois. 1000 boîtes par mois?
Mais on va vous faire ça tout de suite. J'en peux plus. Ce n'est pas nécessaire. Nous restons quelques jours en ville et reviendrons, disons... J'en peux plus. Jours, tout... Ils sont tous à deux doigts de la mort, les doubleurs, quoi. Et monsieur Flair raconte tout. Il n'avait jamais vu des chiens aussi tristes. Oh, je sais pas ce que je leur fais. Ils ont pas des parents, ces chiens? Il y avait pas des parents au début du film? Il ne pense à rien d'autre qu'à parler à dormir. Lâche! Mais je trouverais bien quelque chose. J'avais un pressentiment et en effet, lorsqu'ils dormirent tous, Pasty se mit en route. Ouah, ombre chinoise. Ils ont pensé à tout, quoi. Incroyable. Vraiment, cette scène d'action, là. Incroyable. Prend du temps, hein. En même temps, c'est loin, hein. Donc faut tout se voir, tout le trajet là. Mais elle va passer au-dessus de l'alarme du coup. Toby, Timmy, ah, oh, merde. Qui voilà, encore un gentil petit chien à poids. Deux, cinq, trois, sept, quatre, neuf... Et ils appellent cela un code secret, mais celui qui a un peu de tête, ben pour lui c'est un simple calcul. J'ai rien compris. J'ai rien compris. En quoi c'est un calcul? Attends, si c'est le narrateur qui leur donne le code, là j'en peux plus. Ils veulent récupérer les voleurs d'hier. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'ils viennent les chercher. En attaque. Mais attendez, tout le truc avec le code... Pendant ce temps-là... Pasty, Butcher, n'avance pas, Amiette. Le système d'alarme, hein. Et maintenant? Il nous faut le code. Oui. Amiette, que fais-tu? Ouais, je tape quelques chiffres, et puis on verra bien. T'es fou! Attention, je ne pouvais pas regarder sans rien faire alors qu'ils étaient en danger. Ok, c'est le narrateur qui tape le code. C'est quel mur que t'exploses là? Quand le narrateur intervient directement dans ton histoire pour taper le code. Yeah, tu as réussi! On est fort, hein? Butcher! Vous m'avez sauvé! Vous m'aimez quand même alors? Mais c'est trop, putain! Comme j'avais décidé de les aider, je devais continuer! Bon, oui, bah fais ton plaisir, je veux dire là, qu'est-ce qu'il fait? Oh putain! Allez! Qu'est-ce qu'on fait d'eux, chef? Laisse-les là avec leurs cris, il y aura bien quelqu'un qui finira par les libérer, mais pas nous! Je veux dire, oui, tant qu'à faire, bah si le narrateur il peut intervenir comme ça, oh vas-y, hein! Ah, le scénario, il est en béton. On finit par le traditionnel très long moment de retour, hein, classique des dingos. Et maintenant, vous allez tous bien manger, hein. Ils veulent pas des os, ils veulent de la vraie viande. Mais non, regarde-les, ils veulent dormir. Moi je dirais ils veulent retrouver leur famille, mais après c'est... Enfin, pour résumer, je rentre à la maison avec Pastille. Et quand Toby et Timmy iront mieux, elle et moi, on a décidé de se faire un petit nid douillet. Hein? C'est déductible des impôts. Hein? Pardon? C'est pas des enfants? Ouais, c'était comme ça, ouais. Et en y repensant aujourd'hui, je me dis... C'était pas bête que je me sois mêlé de leur histoire, hein. Quoi? Bizarre Perpignan. Bizarre Perpignan. C'est le what the fuck, mais total la fin. Ah, le nid douillet déductible des impôts, le narrateur qui fait « Ouais, bon, bah, finalement, j'ai bien fait de m'en mêler. » De quelle année ça date? Je sais pas, ça sera jamais assez vieux pour mériter ça. Là. Putain, 97, hein. C'est après le Roi Lion.
C'est après le Roi Lion, hein. C'est après Hercule, c'est après Hercule de Disney.